Face à ce lieu, le 4 septembre 1843, périrent en scène Charles Vacry et Léopoldine Hugo, gendre et fille de Victor Hugo. Un siècle presque a passé. Les eaux normandes de la Seine, aujourd'hui fendues par les étraves des pétroliers, reflètent l'architecture romantique des modernes raffineries. En moins de 100 ans, le naft, l'huile de la terre, a bouleversé les paysages, transformé la vie des hommes. Et pourtant, son histoire commence avec la nôtre, au déluge. Avec l'arche de Noé calfatée au bitume. Bitumé, le berceau étanche où fut sauvé Moïse. Et l'écouffée assyrienne du Tigre et de l'Euphrate, dont la coupe en forme de berceau n'a pas changé depuis des millénaires. La tour de Babel, où dit la Genèse, la brique servie de pierre et le bitume de ciment. Et les pyramides mexicaines, elles aussi cimentées au bitume. Dans des lampes de poterie, les Chaldéens et les Égyptiens brûlaient le bitume dilué. Bitume encore, le feu grégeois dont les sarrasins arrosaient les croisés. Bitume, en antique langue persane, se disait mumia, et les Égyptiens de la basse époque lui demandaient de conserver leurs morts, leurs momies. À Gabian, dans l'Hérault, les Gaulois recueillaient l'huile d'une source thermale pour en composer des onguents. Et longtemps après, les pilules de Gabian furent recommandées contre les rhumatismes. Dès le 15e siècle, en Alsace, près de Pechelbronn, l'huile minérale recueillie, distillée même, guérit plaies, gouttes, enflures, lambago et graisse les voitures. C'est là qu'en 1785, un des premiers puits du monde permet d'exploiter une couche de sable pétrolifère. 1855, Samuel Kier, marchand d'huile pharmaceutique, construit en Pennsylvanie le premier alambic industriel et lance le kérosène ou pétrole lampant par une tapageuse publicité. 1859, le colonel Drake est chargé de rechercher l'huile pour elle-même, au lieu de forer des puits d'eau salée. Le 27 août, le pétrole jaillit de son premier puits à Titusville. Les puits, les raffineries se multiplient. On se débarrasse à grand-peine de l'essence, alors inutile, en la brûlant. 1867, John Rockefeller entreprend de grouper les raffineurs, organise les transports. La Standard Oil Company est fondée. Rockefeller distribue gratuitement les lampes à pétrole jusqu'en Chine pour y étendre son marché. La petite flamme du pétrole est devenue une étoile de première grandeur. Toujours plus de lumière, l'électricité apparaît. Mais le moteur à explosion succède à la machine à vapeur. Les essences, injustement méprisées, deviennent une source d'énergie prodigieuse. Elles sauvent l'industrie du pétrole, en font une puissance mondiale, impose au monde moderne un visage nouveau. De la momie aux anesthésiques, de la lampe à huile aux Normandies, la complexité et la diversité des pétroles bruts naturels justifient cette richesse en usages variés. Pétrole de Pologne, de Bakou, de Roumanie, de l'Irak, du Venezuela ou d'Alsace, tous sont des mélanges d'hydrocarbures et les dérivés qui en sont tirés sont encore des mélanges d'hydrocarbures. Hydrocarbures, ce mot n'a rien de mystérieux. Il évoque l'hydrogène que l'on extrait de l'eau. Hydrogène qui, pur, gonfle les ballons. Hydrogène si avide d'oxygène qu'il flambe pour redonner l'eau. Carbure évoque le carbone, qui nous est plus familier encore. Mine de nos crayons, aliment de notre chauffage, aliment de notre corps, aliment de notre vanité. Hydrogène, grand H. Carbone, grand C. Leur union donne naissance aux hydrocarbures, dont le nombre est théoriquement illimité. Chaque atome de carbone, dit le chimiste, peut s'unir à 4 atomes d'hydrogène. Et ceci
définit sa valence. Le carbone est tétravalent. De ce domino, nous pourrions dire qu'il est divalent. De ce porte-chapeau, qu'il est tétravalent. À la place du porte-chapeau, un atome de carbone. À la place de chaque chapeau, un atome d'hydrogène, et nous obtenons un hydrocarbure, le méthane, le plus simple des hydrocarbures. Si deux atomes de carbone s'unissent par une de leurs valences, il reste six valences libres, auxquelles l'hydrogène peut venir se fixer. De même, pour une chaîne de trois atomes de carbone, quatre ou davantage. Parfois, des places restent vacantes et l'hydrocarbure est dit non saturé. Mais si l'hydrogène occupe toutes les valences, l'hydrocarbure est saturé. Tous ces hydrocarbures dont la chaîne de carbone reste ouverte sont dits acycliques. Cette chaîne d'atomes peut se refermer sur elle-même pour constituer un hydrocarbure cyclique. Ainsi, les initiés expliquent-ils la richesse en produits divers des pétroles naturels. Mais ces pétroles bruts, tous différents, comment a-t-on eu l'idée d'aller les rechercher là, en ces lieux précis, de construire ces tours de sondage, d'établir ce pipeline? Parfois, le bitume affleure à la surface du sol où les anciens le recueillaient. Les arcs-en-ciel irisés des trottoirs mouillés ou des fleuves sillonnés de remorqueurs brillent aussi dans des sources naturelles. L'huile peut sourdre même et suinter d'une paroi de rocher. Ailleurs, les hydrocarbures gazeux surgissent d'une fissure du globe et peuvent s'enflammer. Des religions naissent. En Perse antique, les guèbres, disciples de Zoroastre, adoraient le feu. Aujourd'hui encore, à Baba Gourgour, en Irak, brûlent des feux sacrés. Souvent, les noms donnés par les indigènes à certains lieux révèlent par leur étymologie la présence du pétrole, puis de la poix en Auvergne. Pechelbronn, qui signifie fontaine de poix, Drachenbronn, ou fontaine du dragon, Abinaft, source de naft, Nafrhana, réserve de naft, Maïdani Naftoun, cirque du naft. Mais l'étude géologique des terrains donne de plus précieux indices. Le pétrole se rassemble généralement dans les plis des anticlinaux du relief terrestre. Il imbibe les terrains poreux. Les grains de sable, par exemple, semblables à de minuscules billes, laissent entre eux des intervalles où se loge le pétrole. Dans sa roche réservoir, le pétrole repose sur une couche d'eau salée. Il subit la pression de ses propres gaz, pression qui pourra le faire jaillir lors du forage. Ces gisements, semblables à des glandes de l'écorce terrestre, cette anatomie du terrain, de nombreuses méthodes de prospection en permettent l'étude. Il y a loin du sourcier de jadis au prospecteur d'aujourd'hui. Magnétomètre, balance gravimétrique, méthode des résistivités, enfin, méthode sismique, la dernière née, la plus employée. Forer le sol. Y introduire un explosif. Disposer à quelque distance des sismographes. Une explosion. Et sur la feuille enregistreuse s'inscrivent les ébranlements des sismographes dont la comparaison permet de calculer la profondeur des couches géologiques. Le sol ausculté, le pétrole diagnostiqué, ou du moins les structures anticlinales localisées, commence une audacieuse opération chirurgicale, le forage. Le sondage par percussion au trépan était déjà pratiqué par les Chinois du VIe siècle. Dans le sondage canadien, l'instrument de la percussion est un lourd trépan d'acier. Suspendu à une longue série de tiges, il martèle et effrite le terrain. Le mouvement périodique d'un balancier soulève, puis laisse retomber chaque seconde la masse du trépan et des tiges. Deux colliers, serrés et desserrés alternativement, permettent aux tiges de descendre à mesure que le trépan progresse dans le sol. Un courant de boue, injecté dans les tiges par un tuyau flexible,
remontent à la surface les débris du forage. Dans le système pennsylvanien, le train de tige est remplacé par un câble d'acier qui supporte le trépan. Procéder au curage, il faut ici sortir le trépan et y substituer une cuillère de puisage. Long tube, muni d'un clapet inférieur, la cuillère est descendue au fond du trou. Remontée et vidée dans une fosse. À mesure que le trou s'approfondit, on doit en soutenir les parois par le tubage. Le sondage par rotation ou rotary, semblable à un vilebrequin, use le sol par rodage. Au terrain mou, convient le trépan fichetel ou queue de poisson. Le trépan rockbit meulera de ses molettes les couches rocheuses. Hissé, il descend. Suivi d'une série de tiges renflées, pesantes, les tiges maîtresses. L'élargisseur ou alaiseur augmentera le diamètre du forage. Le palan descend une nouvelle série de tiges. À côté du forage, dans un trou profond de 12 mètres, qui lui sert d'étui, la tige carrée est toujours prête. Saisie par le palan, elle sera vissée au sommet du système de tige. La bague à section carrée dans laquelle elle coulisse vient se loger dans le carré de la table tournante. Le forage commence. La table entraîne dans sa rotation l'ensemble des tiges qui peut coulisser verticalement et progresser dans le sondage. Semblable à une gigantesque fraise de dentiste, le rotary s'achemine vers les profondeurs. 1000 mètres, 2000 mètres, 3000 mètres s'il le faut. Le chef sondeur, les yeux fixés sur son cadran, modère et règle par l'intermédiaire du palan la pression de plusieurs tonnes de fer sur quelques centimètres carrés de terre. Des millions sont entre ses mains et peut-être des millions sous ses pieds. Injectée par des pompes, une boue gélifiante colmate les parois du forage et remonte en surface les débris de roche. Sur un tamis, elle dépose des échantillons de terrain. Recueillis, ils seront classés d'après leur profondeur d'origine. Décantée dans des chicanes, la boue retombe au bassin, où les pompes la reprennent pour la lancer à nouveau dans le cycle du forage. Mais le sol, à la longue, ronge le trépan, et pour remplacer celui-ci, le palan devra sortir l'une après l'autre des centaines de tiges. De temps à autre, un trépan en forme de couronne découpe dans le sol un échantillon cylindrique, une carotte géologique. Là encore, il est nécessaire de remonter et redescendre deux fois de suite toutes les tiges. Le carottage électrique, imaginé par MM. Conrad et Marcel Schlumberger, permet par la descente d'une sonde dans le forage de mesurer la résistivité et la porosité des couches traversées, évitant ainsi un énorme travail mécanique. La couche pétrolifère atteinte,
Le liquide parfois jaillit sous la pression des gaz. C'est le gusher redouté des sondeurs, avec ses risques d'incendie. La perte certaine de plusieurs milliers de tonnes d'huile avant que le flux puisse être canalisé. Mais cette dangereuse générosité du sol n'est pas de règle constante. Il est souvent nécessaire de procéder au pompage. Le pompage lui-même laisse dans les profondeurs du sol alsacien environ 60% de sa richesse en huile. À Pechelbronn, l'exploitation se poursuit au moyen de puits et galeries de mines. Aérés par ventilateur, armés de marteaux pneumatiques, les mineurs creusent entre deux couches pétrolifères, évitant avec soin le filon huileux. Le terrain extrait, remonté par les ascenseurs, s'amassera sur les terrils. Sur le front de taille, des sondages de faible diamètre préviennent la rencontre d'une zone pétrolifère. Des sondages verticaux atteignent les couches inférieures et supérieures. Drainé, le pétrole suinte, coule, recueilli dans des puisards. Les pompes pneumatiques le remontent en surface. De Pechelbronn, l'huile brute recueillie n'a pas un long chemin à parcourir pour atteindre la raffinerie voisine, cas particulier. L'emprise du pétrole sur le monde moderne est surtout due au perfectionnement des moyens de le transporter. Moyens grandioses qui nécessitent d'immenses travaux. Chaque jour dans le monde, des milliers de tonnes de pétrole voyagent. De pompes en pipeline, de pipeline en réservoir, de réservoir en bateau. Au large de Port-de-Bouc, à l'entrée de l'étang de Beyre, un navire pétrolier de fort tonnage est allégé avant d'entrer au port. Son tirant d'eau diminué, le vaisseau pourra traverser le canal de Martigues. Des citernes flexibles, du flexible au pipeline, et le pétrole atteint les raffineries. Alsace, Basse-Seine, Gironde, étang de Beyre. Thank you.
alchimistes du Moyen-Âge, à la recherche du grand œuvre, distillant tout ce qui leur tombait sous la main dans l'espoir d'en tirer de l'or, ont peut-être contribué sans s'en douter à créer l'industrie moderne du pétrole. Jour et nuit, le flux continu du pétrole distille dans ses forteresses industrielles. Forteresses jalousement gardées contre un ennemi terrible, le feu. Véritable cœur de la raffinerie, les pompes répartissent le liquide dans les différentes unités de distillation. La première distillation sépare les produits les plus légers, gaz, essences diverses, pétrole lampant, qui reçoivent la dénomination de produits blancs. Ces tubes, ces hautes tours, ne sont autre chose qu'un alambic. Au laboratoire, chauffé dans le ballon de l'alambic, le liquide est porté à ébullition. Ces vapeurs se condensent dans une colonne à boules, où elles se fractionnent. Les vapeurs les plus légères se condensent dans un réfrigérant. Au ballon correspond la chaudière tubulaire ou pipe steel. Des brûleurs mixtes à gaz et à fuel oil chauffent le pétrole brut qui circule dans un serpentin. À la colonne à boules correspondent les tours de fractionnement. Chaque boule est remplacée par un plateau où, passant sous des cloches, les vapeurs barbotent dans leur propre phase liquide. Elles s'y condensent en partie, tandis que les vapeurs plus volatiles montent dans les plateaux supérieurs. Soutirées à chaque plateau, refroidies par le pétrole brut, qu'il réchauffe dans des échangeurs de température avant son passage à la chaudière, refroidies enfin par des réfrigérants à eau, les distillats sont envoyés dans des réservoirs. D'une salle de contrôle, quelques ouvriers surveillent la circulation de 1000 à 1500 tonnes de brut par jour. S'il y a lieu, une redistillation opère un nouveau fractionnement plus subtil de certains produits. Le raffinage les décolore, les débarrasse de leur odeur désagréable. Désulfurés, blanchis, vérifiés, stockés, ils partent alors vers les quatre coins du pays. Essence d'aviation, essence d'auto, white spirit qui séparera le soin de la laine, essence légère des teinturiers, solvant léger des couleurs et vernis. Et le citadin, habitué à l'électricité, n'apprend pas sans surprise que des millions de verres de lampe sortent chaque année des verreries. La lampe pigeon de notre enfance n'est pas tout à fait morte. Et la lampe à pétrole pensue, suante et fumante, modernisée, éclaire les campagnes. Le pétrole lampant éclaire les nuits du marin. Fournit de force motrice l'agriculture, détruit les larves du moustique anophèle, propagateur de la malaria. À la partie inférieure des colonnes de fractionnement, on recueille un résidu noir, visqueux, lourd, mélange de distillat huileux, paraffinique ou asphaltique. Une nouvelle distillation, sous vide cette fois, permet de séparer le gazoil des moteurs diesel et les huiles de graissage. Raffiné par brassage avec de l'acide sulfurique, puis de la soude et une terre décolorante, elles abandonnent par décantation leurs impuretés en une noire boue sulfurique. Les variétés d'huile sont innombrables. Huile à broche, huile à machine, huile à cylindre, huile à machine frigorifique, huile à turbine, huile à moteur, huile électrotechnique, huile de paraffine. Des huiles, on extrait la vaseline des pharmaciens, qui préserve la peau des baisers brûlants du soleil. Les huiles diffèrent par leur viscosité, que mesure le viscosimètre.
par leur couleur, que distingue le colorimètre. Les huiles électrotechniques soumises à l'essai de claquage doivent supporter d'énormes tensions. Au sortir de l'alambic, les distillats huileux contiennent de la paraffine. La séparation de la paraffine est obtenue par un traitement frigorifique et le passage dans des filtres presse que l'huile traverse, mais où la paraffine s'accumule en gâteau. La paraffine imprègne le cirage des chaussures, le rouge à lèvres. Elle entre dans la fabrication des fleurs artificielles, des récipients à lait, des isolants électriques. On l'emploie en tannerie, en galvanoplastie, en chirurgie esthétique et pour l'éclairage. Les différentes distillations laissent des résidus qui entrent dans la composition des fuel oils, huiles combustibles plus ou moins épaisses. Les fuel oils dont on étudie au laboratoire le point d'inflammation, le pouvoir calorifique, chauffe par exemple les chaudières des grands paquebots. De distillation en distillation, le résidu devient de plus en plus épais et lourd, plus pauvre en hydrogène, plus proche du carbone. Asphalte ou brai sont les noms de ces produits noirs, pâteux et même solides. S'étaleront sur les routes, sur les trottoirs. Enfin, de leur distillation naît le coke de pétrole, carbone presque pur, charbon des lampes arc. Toujours plus de puissance et de vitesse, l'essence brûle d'un feu frénétique. De nouvelles unités surgissent alors dans les raffineries. Dans les travaux de Dalton, Faraday, Berthelot, Sabatier, prend naissance la méthode dite thermolyse, que les Américains appellent cracking. À haute température, sous forte pression, les hydrocarbures lourds se décomposent. La molécule éclate. La molécule craque. Elle donne naissance à des molécules d'hydrocarbures plus légers qui peuvent à nouveau craquer. Au terme de l'opération, les hydrocarbures légers obtenus constituent des essences. Une unité de cracking est constituée elle aussi par une chaudière tubulaire, des pompes y envoient l'huile déjà chaude sous une pression de plusieurs atmosphères. Dans une chambre de réaction se poursuivent les phénomènes de craquage et les vapeurs vont se fractionner dans des tours à plateau. Le cracking permet d'augmenter la production d'essence. Une des qualités les plus importantes des essences est le pouvoir antidétonant ou pouvoir antinoc qui se mesure en nombre d'octaves. Les essences sont soumises à la photolyse en lumière blanche et en lumière ultraviolette. À la partie supérieure des colonnes de distillation ou de craquage, à la sortie des réfrigérants, des gaz échappent à la condensation. Ils brûlent dans les fours des chaudières, produisent la vapeur d'eau nécessaire à la raffinerie. L'analyse de ces gaz, la mesure de leur pouvoir calorifique, ont conduit à en extraire le butane. Les derniers gaz fractionnés, le butane est stocké sous pression dans des réservoirs. Il est ainsi maintenu à l'état liquide sous un volume réduit. La prise d'un échantillon, le ramenant à la température et à la pression ordinaire, il entre en ébullition et se vaporise. Mis en bouteille, il ira vers ses usages domestiques. L'importation de pétrole brut s'est accrue en France pendant ces dernières années avec la mise en œuvre de nouvelles raffineries. De 23 000 tonnes en 1929 à 6 millions de tonnes en 1936,
l'importation des essences a décru en même temps, de plus d'1 500 000 tonnes en 1929 à 500 000 tonnes seulement en 1936. La production de pétrole brut augmente sans cesse dans le monde, de 54 millions de tonnes en 1913 à 251 millions de tonnes en 1936. Que deviendrions-nous si soudain un mauvais génie, ou un savant génial, pouvait supprimer instantanément de la surface du globe le pétrole et tout ce qui en dérive? Précieux de la terre continue de jaillir, les hommes de prospecter. Dans les pipelines, à la vitesse d'un homme au pas, le sang des machines continue de couler. Le monde moderne peut respirer.